Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. Et je te donne le quatrième conseil, comment tu peux exceller en 2019. Exceller cette année, quatre conseils pour exceller cette année. Fais attention à tes relations. Occupe-toi de tes relations. Les relations sont très importantes dans la vie d'un être humain. Fais attention à tes relations. Je vais te donner trois catégories de relations. Fais attention à tes relations. C'est important, les relations. J'aime bien dire, attache-toi à celui qui a quelque chose à perdre, parce que celui qui n'a rien à perdre va te faire perdre le peu que tu as. Wow! Wow! Je répète ça. Attache-toi à celui qui a quelque chose à perdre, parce que celui qui n'a rien à perdre va te faire perdre le peu que tu as. Fais attention à tes relations. Oui! Alors, première catégorie, fais attention avec les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu voudrais travailler même. Tes partenaires d'affaires, les gens qui t'inspirent. Oui, fais attention à ces relations-là. Traîne plus avec ces personnes, ces gens qui t'inspirent. Attention aussi à ceux, les personnes avec qui tu travailles qui ne t'inspirent pas. Fais attention à tes relations qui sont autour de toi. Attention. Fais très attention. Les personnes avec qui tu travailles, est-ce que tu permets à ces personnes de pouvoir avoir un rôle sur ta vie? Est-ce que tu permets à ces personnes de venir sur toi? Est-ce que tu permets à ces personnes d'avoir un mot à dire sur ta vie? Fais attention à tes relations. Fais très attention à ce groupe. Parce que tu passes, souvent, on passe le plus de temps avec les personnes avec qui on travaille, que des fois avec nos familles. Alors plus tu passes du temps avec eux, soit tu prends leurs habitudes, fais attention à tes relations. Fais très attention. Le deuxième groupe, c'est les personnes qui sont proches de toi, hein? Les personnes qui sont même dans ton équipe, les personnes qui te côtoient, les personnes qui connaissent, qui rentrent un peu dans ta vie, dans ta bulle. Fais attention à ces relations-là. Vous savez, je vais te dire quelque chose d'important. Les plus grandes trahisons sur cette terre sont faites avec des personnes qui étaient proches de nous. Des fois, ce n'est pas les personnes qui sont loin, c'est les personnes qui sont proches de nous. Dans les personnes qui sont à côté de toi, les plus grandes trahisons de ce monde, c'était les personnes qui étaient à côté de nous. Fais attention à ces relations-là aussi, les personnes qui sont proches de toi. Mais prends soin des personnes. Si ces personnes, si tu as des bonnes personnes autour de toi, prends soin d'eux. Si tu as des mauvaises personnes autour de toi, sois sûr de les garder à côté. Fais attention à ces relations-là, c'est très important. La troisième catégorie de relations que tu dois faire attention en 2019, si tu veux exceller, c'est la personne qui dort dans ton lit. Et oui, je parle des relations intimes. Ton mari, ta femme, peu importe. Fais attention à cette personne. Parce que des fois, tu rencontres une personne, mais plus tu restes à cette personne, plus tu vois ta vie descendre. On va pas se cacher, on va se dire les vraies choses, on va se dire la vérité. Tu es avec cette personne, mais plus tu es avec cette personne, tu vois comment ta vie est en train de chuter. Fais attention à ces relations-là. Ces personnes peuvent t'aider à te propulser, ils peuvent t'aider à t'amener plus loin, à exceller. Mais la même personne peut aussi t'aider à... Tu connais le mot. Je vais pas le dire, tu connais. Donc la même personne qui est à côté de toi, qui dort avec toi, peut te permettre de pouvoir te surpasser, mais la même personne est capable de pouvoir complètement briser. Il y a certaines personnes que tu n'as pas envie de rencontrer deux fois. Parce que dès que tu la rencontres, cette personne, une seule fois, elle vient de bousculer toute ta vie, elle vient bouleverser tout le reste. Alors, 2019, ce n'est pas le temps pour supplier l'amour. Ne supplie pas les gens de t'aimer. Non! Je répète encore. 2019, ce n'est pas le temps de supplier les autres de t'aimer. Ne supplie personne de t'aimer. Augmente ta valeur et tu vas voir que tu auras l'embarras du choix. Je répète, 2019, ce n'est pas le temps de supplier les gens de t'aimer. Augmente ta valeur et tu auras l'embarras du choix. Alors, c'était le quatrième conseil. Fais attention à tes relations. Très, très important. Ce n'est plus le temps de supplier l'amour. Non, 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 non. Augmente ta valeur et tu auras l'embarras du choix. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo. C'était Angel King, ton motivateur personnel.